pour la plupart, anti-sentillés. Ah, toute la journée, ils parlent, je ne comprends rien. Ils dansent toute la journée. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Oh non, puis le pire aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des répercussions physiques. Mais c'est-à-dire, je ne me sens plus. Ils ont grillé tous mes sinus, hein, à cause des odeurs toxiques qu'ils émanent. Ah bon, ah, une odeur. Oh, ce n'est plus une odeur, ça s'accroche. Des bains, trois douches, ça ne part pas. Même les vêtements, ah, je les jette. Je les jette. Ah non, mais même à 1000 degrés, ça ne part pas. Donc voilà, j'ai donc été hospitalisée, comme je vous le disais, dimanche. Voilà, suite à la messe, hein, suite au choc que j'ai reçu. Ben, en découvrant le nouveau curé, voilà, venu du Gabon, hein. Le père Nestor Mbilou. Mbilou, ben oui, Mbilou, j'aurais dû me douter quand même. Mbilou, bon. Et ben moi, je faisais ma messe. Jésus-Marie, Jésus-Marie. Et à un moment donné, j'entends, bonjour ma fille. Je dis, tiens, c'est bizarre, je vois comme ça. Je me retourne. Un noir énorme. On aurait dit un singe bonobo. Mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Va-t'en. Ah oui, mais j'ai donné un coup de pied, bonobo. J'ai donné un coup de pied, bonobo. Eh ben non, et là, il m'a regardé, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Je suis le père Mbilou, il m'a dit. Arrêt cardiaque, arrêt cardiaque. Le cœur n'a pas résisté. Oh non, je suis tombé dans un coma profond. Très, très profond. Ah, oh, le plus profond possible, je voulais mourir. Oh. Je me souviens. Ah, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de me ranimer. Ah, tout. Quadruple pontage, transfusion sanguine, pose de stérilet, ils ont tout fait. Pose de stérilet. Voilà, je ne voulais pas. Je voulais mourir. Voilà, j'étais dans un long tunnel. J'avais de la lumière au bout. Je marchais. Derrière moi, il y avait le bonobo qui courait. Le bonobo, il courait. Non, on ne rit pas, Olivier, on ne rit pas. Hein. Chacun aussi a le droit d'exprimer aussi son problème. Oh putain. Dans le chemin, les personnalités, tu as des branches pourries. Les branches de ceux qui, même morts, ça reste de la merde pour l'éternité. Bah, Judas, je parlais de Judas, l'autre, c'est une savate 2000 ans après. Non, ça reste une poubelle, hein, attends. Et le top 10 du top 10, là, c'est Hitler. Alors lui, c'est le meilleur. En termes d'ordure, lui, il a décroché la timbale, attends. Ça, on te l'apprend à l'école, hein, maternelle, fœtus même. Là, tu dois être au courant. Là, en termes d'ordure. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai vu le film, là, sur ses dernières heures dans son bunker. Hein. C'est vrai qu'en termes de dépôt de bilan, c'est un cas d'école. Ah, putain. Il a fini un flèche court, il lui restait même plus les chaussettes. Ouais, donc, tu la voulais pas lui, ce film? Ses dernières heures dans son bunker. Tiens, bah, je vais le faire. Tiens. Laurent, Jackie, envoyez-moi l'ambiance bunker. Ah, oh. Les lumières, là, les explosions. Oh, je m'en sens, moi. À la vie. Yo, moi ça va, frère. Ah, lui, elle est tout seul sur ce front russe, ça sera déjà réglé cette histoire. Hein, au lieu de ça, on se retrouve dans un bunker dégueulasse en plus. Il va. On n'est pas des manouches, il me semble. Un coup de main, une fois de temps en temps, ça va t'arracher la gueule. Oh là là, putain. Bon, allez, on se réveille. GG, Thomas. Allez, dévance, allez. Le Belge. Viens ici, là. Hein? Oui, arrête avec ça. Quoi? Oui, mais pourquoi t'es tout jaune comme ça? T'as chopé la chiasse, si t'arrives.
personne t'a demandé d'amener ta femme et tes gosses, on est pas au Club Med, on bosse. Les gosses n'ont rien à faire, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, Himmler? Qu'est-ce qu'il y a? Les Russes sont à 300 mètres, faut qu'on se casse. Tire-toi. Tire-toi. Ouvre-toi une petite moumoute et puis va danser la polka, essaye de passer. Ah, avec les Ouzbeks, dégage. Fous le camp. Jonas, c'est lui qui nous foutait la chkoumoune, hein? Oh, arrête de chialer, bon, ça va, c'est... Bon, alors, tais-toi. Bon, il nous reste des clubs de lit café, hein? C'est vraiment le top, alors quoi, qu'est-ce qu'ils... Elles sont où, ces troupes d'élite, hein? Oh, putain, mais pourquoi il a fait ça? Quoi, c'est ça? Ça va, toi? Toi, t'es un bon frère, hein, gars, hein? Il a quel âge, celui-là? Mettez-lui un froc, que ça ressemble à quelque chose. Allez-y, allez-y, voilà, pour la grandeur de mon cul, allez-y. Pour la grandeur de mon cul. Gomez, viens ici, Gomez, Gomez. Moi, je suis pas content, Gomez. Oh là là. Ah, sont où les troupes d'élite qu'on avait dans le Nord? 500 000 hommes, ils sont en RTT, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en RTT, qu'est-ce qui se passe? Pas le moment de poser, c'est 15 jours, les mecs, il y a du boulot, là, il y a une porte sur la planche. Mais non, ça me fait chier, moi, j'ai... Bon, mais non, mais attends, j'ai l'impression d'être un chef de tribu camerounais, moi, aujourd'hui. On est la race supérieure ou on est des bonobos, faudra savoir. Je me fais chier, je me fais chier, je mets des aigles sur les drapeaux, des statues, je mets des aigles géants, les mecs. Faut penser aigle, les gars. Hein? Hein? C'est vrai, aujourd'hui, on dira des pigeons, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Attends, mais c'est quand même un... Qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse-moi parler, qu'est-ce qu'il y a, toi? Faut penser à la reddition. C'est qui, lui, au départ, le mec? C'est qui, lui, au départ, le mec? Tiens, t'as raison, je vais t'offrir un chocolat, regarde, bouge pas. Tenez-le, tenez-le. Ok. Il y a un autre client pour la reddition, on en est où là? Dégagez-moi ça. C'est pas vrai, on dirait un diesel, regarde-moi ça. En train de partir en sucette, putain. Bon, tirez-vous, laissez-moi les gueulettes, là, faut que je parle. Tire-toi, tire-toi, ouais, ouais, vas-y, dégage. Toi aussi, tu vas le prendre notre... Restez là, gueulette, restez là. Non, non, c'est plié, arrête, hein, c'est plié. Je le sens plus. C'est plus le mec, hein? Non, 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 mais arrête. Mais faut pas positiver. Quand c'est plié, c'est plié. Mais ils accepteront jamais le match nul, ferme-la. Non, mais si c'est pour me vomir des bêtises, ferme-la. C'est plié. Pourtant, je... Arrête tes conneries. Je délai. Donc, j'ai décidé, ben, moi, je veux pas me faire choper. Hein. Moi, non, non, ils ne mettront pas la main sur ma vie, je te le dis tout de suite. Hein. Donc, on va se... Non, ben, je vais me supprimer cet après-midi. Là. J'ai décidé, ben, tu fais ce que tu veux. Mais, putain, c'est qui chancelier? T'es chancelier ou chancelier? Tu chancelles. Voilà. Quand tu seras chancelier, tu chancelleras. Pour l'instant, tu l'as fait. Donc, j'ai décidé de... Voilà, moi et Vasse, on se supprime cet après-midi. Comment? Ben, justement, c'est toi qui m'avais parlé de pastilles qui font pioncer une bonne fois pour toutes. Mais non, pas rien. Oh, arrête, arrête tes conneries. Non, je te jure, ça va te partir dans la gueule. C'est pas le cœur. Voilà, alors voilà, cyanure, il t'en reste de ça? Il en faut combien à peu près? Quand t'es nerveux, t'as du mal à dormir. Là. Oh putain. Une, ça suffit? Tu m'en mets 10. Je vais en prendre 10. On va se faire une petite salade, avec ça on sera tranquille. Ouais, puis je doublerai avec un pruneau dans la tronche, comme ça ça évitera les migraines. Mais arrête, tu feras ce que tu veux. Oui, les corps, voilà, les corps. Justement, je vais tenter de faire là. Donc les corps, faut me débarrasser de ça. Non, 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 tu me crames. Tout acide, crame, après le tamis. Je rate les dash avant. Tu restes rien. Ah non, non, ils l'ont mauvaise en face, les mecs. Attention. J'écoute la radio, ils sont à calme. Attention. S'ils tombent sur le moindre de mes restes, une vertèbre, je les capable de se la monter en pendant. Alors l'idée de terminer à côté d'une étoile de la ville, t'as compris, c'est quand même. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, tu fais ce que tu veux. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais arrête tes conneries, c'est de ma faute, je sais que c'est de ma faute. C'est bien. À la fin, j'ai été trop tendre, je me suis ramolli, puis c'est tout, c'est mon côté poète. Bien sûr, c'est mon côté babatou, c'est mon babou. Arrête tes conneries. C'est juste on n'a pas sorti les guitares sur la fin dans le bunker. Ça sentait la bique. Mais tu verras, l'avenir me présentera comme un modéré. Oh, mais tu verras, Goebbels. Goebbels.
Putain, mais. Tiens, de ouf. Là, je veux que ça je veux du champagne, je veux autre chose. Je veux un peu le pays. Ah, j'essaie de faire un truc. Ça lag un peu. C'est pour ça que le sujet, tu vois, j'ai choisi un sujet à la con. Je me suis souvenu de la citation, si tu veux faire un spectacle de merde, choisis un sujet de merde. Ça, c'est Carlos qui m'avait dit ça. Le chanteur, bah oui. pas le terroriste. Hein? Non, le terroriste, il a un peu de talent. Non, moi, je te parle du cachalot avec les chemises à fleurs. Il chantait Rosalie Po. S'il vous plaît, voilà, je vous demande, s'il vous plaît, une petite minute d'attention, hein, avant que le spectacle ne débute. S'il vous plaît, voilà, très bien. Je demanderai à chacun de respecter ce devoir de mémoire et à jamais cette phrase de Achille, Chizamata. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Les salles de spectacle ont toujours été trop laxistes avec les portables allumés. Ainsi s'est répandu le désordre et le chaos. L'attention du public dispersée. Les effets scéniques anéantis par des parasitages intolérables. Toute sonnerie de portable sera sévèrement réprimée. Le portable sera immédiatement détruit et son propriétaire déporté. Oh putain! C'est grave. Ou tu connais la faute d'arriver. Vive la France. Ferme-la à tout jamais, toi. Non, il y a un malentendu, excusez-moi. Je me suis un peu emballé, là, mais... un peu la clameur, ça m'a un peu donné des forces, mais malheureusement, non, ferme-la. Donc là, on vient de recevoir un fax. Malheureusement, il y a un malentendu avec les gens de l'entrée, mais le spectacle est annulé. J'y peux rien, réfléchis. J'ai les micros, je suis prêt à jouer, moi. Il y a des caméras, il y a tout. Bah oui, il y a remboursé, non. Déjà, remboursé, non. Je suis content de ce que tu viens de voir aussi. Hein. Hey. Oh là là. Au-dessus, c'est le soleil, y'a personne. Là, c'est la maison mère. Hein. C'est... Bah attends. Là, c'est le soleil du temps. C'est la mairie de Paris. Hein. Donc là, y a l'autre vieille chatte, elle est pas contente. Y a une quenelle qui est pas passée. Hein. C'est vrai que 2009, bah, je me suis lâché. Non, j'en ai glissé. Hein. Ah, j'ai glissé, j'étais motivé, j'avais de la motivation. J'avais l'humeur taquine, j'avais envie d'y aller. Hein. J'ai fini aux transpalettes de Chanel au fond du magasin. Non mais même moi ça me choque. Mais là, donc ils veulent me retirer mon permis de faire rire. Vous savez que quand tu fais du spectacle, t'as une licence au spectacle. Ils veulent me la retirer. Donc là c'est chiant. Parce que là, apparemment. J'ai entendu celle-là. Apparemment j'ai plus de points dessus. Sandrine, il est mortel. Il y a personne, hein. Je veux dire, il y a personne. Si je veux, Monsieur Boulard, si je veux, ce soir, vous rentrez chez vous. Hein? Autrement, vous allez en prison.